Depuis le 12 août 2016, les militants du Rassemblement des Républicains bénéficient d'un fonds d'une valeur de 1 milliard de francs CFA. Et cela pour aider et assister financièrement les militants de la rue Lépic pour réaliser leurs projets. C'est pour expliquer aux militants les conditions d'obtention de ce fonds que la direction du Rassemblement des Républicains organise un séminaire depuis ce 31 août au 3 septembre 2016 au siège du dit parti. Au dire de la secrétaire générale adjointe chargée de la solidarité au RDR, Madame Diara Souba Maferima épouse Ouattara, ce programme d'assistance financière, œuvre de la politique sociale de son parti, vise à réduire le taux de précarité chez les militants. Notre objectif, c'est de remobiliser les militants et de les sortir petit à petit de cette précarité qui perdure. Vous savez, c'est général. Les populations sont dans un état de pauvreté. C'est connu de tous. Et donc, nous avons essayé d'apporter notre contribution pour sortir nos militants dans cette précarité. Quant aux militants, ils ont félicité la direction de leur parti pour cette initiative. Cette initiative nous fait plaisir vraiment. Parce qu'on entendait ça beaucoup pour le parti. Le fait de prendre l'initiative pour nous aider, nous les femmes, surtout au RFA, il y a beaucoup de femmes qui se plaignaient, le parti n'a pas encore fait quelque chose. Mais maintenant, on sent que le parti est en train de prendre vraiment des décisions. Vraiment, ça nous fait plaisir. Si le parti peut continuer pour pouvoir nous donner des crédits. Je ne peux que dire merci à la direction du parti d'avoir pensé vraiment, un tant soit peu, à cette assistance aux militants. Puisque vous le savez, les militants ont commencé à grogner un peu partout. Et maintenant que vraiment la direction a pensé vraiment mettre ce prêt à leur disposition pour les aider, un tant soit peu, on ne peut qu'être heureux et remercier la direction du parti. C'est d'abord féliciter le parti qui a eu l'initiative que attendaient depuis très longtemps les militants. Et féliciter aussi les cadres pour avoir participé pleinement qu'on recouvre les fonds qu'on va mettre à disposition des militants. Il faut signaler que ce fonds d'un milliard destiné aux militants du RDR a vu le jour grâce aux contributions des cadres du parti.